Les amis, là, on s'en fout. Les amis, ont bien, ils ont là, quand même, tranquillement. Diri, en cas que tu as gré, en cas espéré, les amis. Pas laisser Diri là, qu'on l'a, mais justement, c'est Diri, en cas que tu as là, là. Doudou, ne laisse pas le riz qu'on l'a, chérie. Bon, alors, les amis, je là, nous pouvons parler des pédophiles en nous, là. Pédophiles, nous, trois en nous, c'est lui qu'on est. Nous pouvons parler de l'impôt. L'impôt, les amis. Les impôts que paient les Gauziriens. Il faut en parler, les amis, parce que, moun gozé ka souffert, les amis. Moun gozé ka souffert. Et nous, le moun gozé, les amis, qui pas au courant à ça et qu'a fait. Qui ka croire tout ça pédophile là, qu'a dit yo. Voilà. Mais, comme d'habitude, les amis, nous, à la poste sans fil, les amis, nous, quoi, bah, voilà, nous, quoi, fait vérité en la moun, mais nous, quoi, bah, nous, quoi, bah, moun document, preuve, etc. Donc, les amis, nous, quoi, y'a une point par point, j'en là, si impôt là, parce que les impôts de gozé ont augmenté, les amis. Ah oui, impôt à moun gozé augmenté. Mais augmenté, quand augmenté, qu'a écrit, les amis. Et nous allons venir sur ça, point par point. OK, tranquillement, en paix, trop crié, trop bité. Nous allons parler tranquillement, les amis. Parce que il faut que les Gauziriens sachent, hein, ce qui se passe, les amis, à travers leur impôt. Parce que, union, mais les amis, on présente la call qui t'a venu raconter, on paquet Tim Tim Boisset, on paquet Jack LMT. Alors, les amis, moi, quand il y a besoin de vérité là, OK, c'est lui qu'on est. Il a augmenté les impôts des Gauziriens, les amis, de plus de 1000%, les amis. De manière, nous avons vu, point par point, petit à petit, arrivé entre les chiffres, arrivé entre les documents, etc., des vidéos, etc. Parce que, les amis, trop, c'est trop. Parce que, aujourd'hui, les amis, plus ça va, les Gauziriens se rendent compte, les amis, que celui qu'on est, les amis, c'est un imposteur. Que celui qu'on est, c'est un manipulateur, les amis. Que celui qu'on est, c'est un malade. Il est malade, tu vois, il est malade à la tête, les amis. Parce que, Regardez, il y a pas de voir vidéo, ce que juge de pas même. Mais il s'est déclaré, mais l'année la sain, à la fête du Gauzier, qu'il n'a pas augmenté les impôts. Voilà. Et qu'au Gauzier, les amis, c'est la ville où on paie le moins d'impôts, les amis. Mais c'est qu'a menti, les amis. Il a menti. En quelque sorte, la preuve qu'il a menti. Regardez vidéo là, ça, et nous revenons tout de suite. Ça, bienvenue dans la commune où on paye le moins d'impôts. Bienvenue dans la commune où on paye, dans la Riviera du Levant, où on paye le moins d'impôts. Parce que j'ai entendu tellement de conneries. Mais malheureusement, on a une culture où on écoute la parole sans aller vérifier. La ville du Gauzier, la CAO, la ville du Gauzier, c'est 10 carottes. Même si on rajoute le département, puisque la loi a évolué depuis 2 ans, on n'a jamais augmenté les impôts à la ville du Gauzier. Et la ville du Gauzier était déjà la ville la moins chère. Et pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un, une autre qui venir à Gauzier pour payer moins d'impôts. Mais quand on a la tête dans le guidon, quand on ne se renseigne pas, et que bien sûr, on écoute les réseaux sociaux qui sont plutôt des réseaux qui ne nous permettent pas d'être vraiment social, mais qui permettent juste de salir et de détruire, à un moment donné, il faut qu'on revienne à la réalité. Et comme c'est le moment du maire, je me permets d'informer, et j'espère, je le dis j'espère, mais je sais que c'est tellement plus facile de faire du mal que du bien en 2023, que la bonne parole. Parce que vous savez, une commune qui... par les impôts et maltraités, la population s'en va. Or, à Gauzier, il n'y a plus de place. On est obligé de pousser les murs pour pouvoir abriter des gens. Monsieur qui a menti, les amis. Monsieur qui a menti. Monsieur qui a menti, les amis. Quand il a inspiré. Monsieur qui a menti. Quand il a inspiré. Les amis, à quel moment la preuve que monsieur a augmenté les impôts? Il a augmenté les impôts à mon Gauzier, les amis. Mais qu'on tac, tac. Les amis, pour commencer, lisez ce qui a écrit dans son programme, les amis, parce que là, en 2020, puis David May Gauzier, on nous lit ensemble, là. Nous allons lire point 5 là. Regardez, point 5 là. Nous allons lire ensemble. Diminuer de manière significative la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. OK? Nous lisons ensemble, hein? Vous envoyez? Bon. Parce que les amis, tout ça pour dire, c'est une promesse qu'il fait, qu'il fait Gauzier, puis il est lié. Parce que pendant 6 ans, les amis, monsieur quand même un chier, hein, il était qu'à faire du pont chier, ancien mais Gauzier, par rapport à l'impôt là. Voilà. Par rapport à l'impôt que payaient les Gauzier. Parce que
Non seulement les amis, il n'a pas baissé l'impôt, hein, au gosier. Mais il a augmenté, les amis. Il a augmenté l'impôt là. Il a augmenté, les amis, sur deux ans de 1175 euros. Okay, alors, il joue sur les mots. Hein? Il dit qu'il n'a pas augmenté l'impôt de la ville du Gosier. Oui, les amis, non, il n'a pas augmenté l'impôt de la ville du Gosier. Non, il n'a pas augmenté, il n'a pas voté, les amis. Mais par contre, il a augmenté les impôts de la CAL. Mais les amis, le Gosier fait partie de la CAL. La CAL, c'est quatre communes. C'est Gosier, c'est François, Désirat et Saint-Anne. Si vous augmentez un poids à la CAL, ou augmentez un poids à mon Gosier. Voilà. Et les amis, il ne s'est pas engagé à faire ça. Il s'était engagé à diminuer l'impôt, les amis. Et aujourd'hui, là, regardez bien, il dit pareil que ce que Dupont disait à l'époque, Dupont, l'ancien maire. Hein? Et même Bitté, qui a été qu'à combattre parce qu'il dit, hein, Dupont a menti. Voilà, Dupont a menti. Et que c'était au Gosier que l'on paie le plus d'impôts. C'est ça que Dupont a dit. Et aujourd'hui, les amis, il dit à tout le monde que c'est au Gosier qu'on paie le moins d'impôts. Donc, Dupont a eu raison. Dupont a eu raison, les amis. Hein, quand on était qu'à couillonner mon Gosier pendant la campagne municipale là. Alors, les amis, écoutez encore, comment vous faites deuxième vidéo. Écoutez-le, les amis, qui faisait chier les Gosieriens avec l'impôt sur les zones. Il était passé en l'air TV. Écoutez, les amis, écoutez ça, nous allons vite dessus. Puis nous avons ce problème des impôts. Taxes d'habitation, taxes foncières, bâtiments. Alors, les taxes d'habitation ont augmenté au Gosier ? Surtout, c'est qu'on nous essaye de nous faire croire qu'on est parmi les grosses communes, on est dans un système où la population n'est pas en souffrance. Alors que nous avons l'avantage que les autres communes n'ont pas, on a un casino. Et moi, je considère qu'avec ces 2 millions, on pourrait diminuer quand l'effort. Quand vous parlez des 2 millions, c'est quoi exactement? Le casino reverse chaque année une taxe à la commune du Gosier de 2 millions. D'accord. Sur les 15 millions de chiffre d'affaires qu'ils font, il y a 2 millions. Et vous dites que ces 2 millions sont mal utilisés aujourd'hui? Je considère que... On a cette chance d'avoir un casino qui fonctionne, on a cette chance d'avoir ces 2 millions, on devrait, par péréquation, diminuer l'effort des Gosériens. Alors que faut-il faire avec ces 2 millions? Alors déjà, comme je le disais, diminuer la taxe d'habitation, diminuer la taxe foncière, et pouvoir permettre aux Gosériens de pouvoir s'établir et réussir dans la commune. Une dernière question, André Jean-Denis. Généralement, les taxes sur les villes sont très heureuses d'avoir un casino chez elles, puisque ça leur permet donc d'avoir les taxes d'habitation, taxes foncières, etc., etc., très faibles. Normalement. Mais pourquoi? Alors, est-ce que vous avez posé la question? Est-ce que bien des sûr, gens mais ont posé la question regarde. Pour dire « mais c'est la seule ville ». Au monde où le casino n'a aucun impact sur la c'est vie. C'est ça que je veux dire. Voilà. Monsieur le Président, vous devriez faire campagne avec moi. Vous devriez venir battre le terrain pour expliquer ça aux Gosériens. Je l'explique à longueur de journée. À Gosier, au lieu que le casino soit un avantage pour la population, ça, on est étreint, on est étranglé par cette pression fiscale. Et moi, je suis contre ça et je suis pour qu'on revienne à une justice fiscale à Gosier. Non, mais tout ça, j'ai qu'elle les mettait. J'aurais tout ça, j'ai ce macaque, les amis. J'aurais et pédophile, la cajestie qu'il est. Tout ça, puis couillonne, négocier rien, puis prendre tête à la ville. Hein? Puis ils font tout hasard, regardez. Mimi, allez là, mais regardez. Regardez. Corné, les amis, il a augmenté l'impôt de 1180% à la CAL. Il essaie stable au Gosier. Hein? Alors qu'il s'était engagé à le baisser. Ou pas engagé ou à laisser stable, ou engagé à baisser. Et il a augmenté à la CAL, les amis. Et aujourd'hui, il dit que oui, la ville n'a pas augmenté. OK. Les impôts de la ville n'ont pas augmenté. OK. Mais il n'a pas baissé non plus. Hein? Et les Gosieriens, impôts ont augmenté. Voilà un exemple, les amis. Je vous donne un exemple. Voilà, comme d'habitude, on va donner un exemple. L'exemple de Gosierien, les amis, qui a vu sa feuille d'impôt augmenter de 1175% en deux ans, les amis. De 2020 à 2022. Les amis. À quoi vous voyez? Mais regardez. Regardez, ça va faire un poids, hein? Faire un poids à Mouna. Voilà, en masqué, en Jean Bita Bouga. Mais regardez, Mimi, en 2020, regardez, 4 201 euros, les amis, dépôt. Mouna te capi, en 2020. Regardez en 2022. Regardez, les amis, en 2022, regardez combien il a payé. 6 376 euros. Vous avez vu? Faites le calcul. 4 201 moins 5 376.
Kabon 1175, c'est euros. C'est-à-dire que Mouna, ça a payé 1175 euros de plus en deux ans. Non, mais les amis, ça, non, mais ça, c'est extraordinaire. Hein? Vous aurez tout ça pour Mouna à payer, les amis, au gosier. Et Bouga Ravin dit qu'il n'y a pas augmenté pour Mouna gosier. Les amis, ça subtile. Hein? Faut bien comprendre le langage à ces messieurs. Hein? Le Seigneur Jean, il n'y a pas augmenté pour Mouna gosier. Non, à la ville. Non. Mais à la colle, il a augmenté. Qui est le président de la colle? C'est lui. Donc, le fait qu'il a augmenté un poids à la colle, il a augmenté un poids à Moun Gosier aussi. Et Bouga, ça s'en retraité, les amis. Et tout le monde sait, les amis, que tu paies l'impôt sur le bâti et le non-bâti, mais à partir de ton revenu, à partir de la parcelle que tu occupes. Et ce n'est pas parce que tu occupes une grande parcelle que tu as de l'argent. Les amis qu'on est sont criminels, les amis, sont criminels. Et arrête de l'obiter, ancien Mela, Dupont, Missé, c'était un ange par rapport à Missé. C'était un ange, les amis. Ouais, par rapport à Rony. Voilà. Missé Mantiba, tout le monde, les amis, c'est tout bité. Normalement, les amis, Moun Gosier était de porter plainte contre Missé, les amis. Parce que regardez, point 13 à programme. Aïe. Regardez, nous quoi, regardez, point 13 à programme aïe, hein, au président, au municipal. Ok. Pour arriver à une politique de résultat. Voilà, ça veut dire qu'il faut un résultat. Il n'y a pas de résultat, les amis. Il n'y a pas de résultat. Il a engagé ici des résultats, les amis. Et tout ce qu'il promet se réalisera. C'est ça, il faut comprendre. J'en ai pas qu'être mensonge dans ça. Voilà. On a dit encore, il s'est engagé à être bénévole. Hein? Mais c'est quand tu as 30 000 euros à la colle, les amis, comme frais de représentation, plus 20 000 à la ville, ça fait 50 000 euros. Hein? Ou pas bénévole encore. Ou pas bénévole encore, les amis. Mais non. Alors, tout ça pour vous dire, les amis, que cette augmentation, les amis, a fait que tout le monde a subi une augmentation d'impôts fulgurante. OK? Nous pouvons parler des totales, taux à 0,6, etc. OK, bah, on va bien, vous allez bien comprendre. OK? Alors, l'émission est arrivée en 2020, taux d'imposition là, tu es à 0,6. Il était à 6%. Et subitement, il passe à 8. Il fait passer à 8. C'est-à-dire que, à quand on a un exemple, vous pouvez bien comprendre, au lieu de recevoir une augmentation de 20 euros, eh bien, tu reçois une augmentation de 320 euros pour un an. L'année d'après, 400 euros. L'autre année là, 500 euros, les amis. C'est ça. C'est-à-dire qu'en 2020, avant qu'on ait en 2020, c'était Dupont qui était là, c'était, l'impôt était taxé à 0,6%. Excusez-moi, on a dit la. Puis qu'on est arrivé en 2021, les amis, le taux est passé à 8%, les amis. En 2022, il est resté à 8%. Et en 2023, les amis, il est redescendu à 6%. Hein? Une baisse de 2 points dont Baptiste Kapale, mais là, qui passe en vidéo à Baptiste, hein? Vous avez tant qu'à dire. Et malgré la baisse de 2% en 2023, qu'il ne voulait même pas réaliser, mais là, pédophile, là, pas été réalisé. Les impôts ont encore beaucoup augmenté, les amis. Et pédophile, là, tu sais ça très bien. Quand l'État avait annoncé que tous les biens allaient voir leur valeur locative être revalorisée à 7,1%. Donc, cette baisse de 2 points, les amis, n'aurait jamais suffi à empêcher l'augmentation des impôts. Hein? D'autres élus, hein, qui sont même dans la même majorité que Baptiste, tels que Kikirez, eh ben, ils ont proposé une baisse plus importante. Hein? Mais délinquance sexuelle, ils ont refusé. Mais écoutez, quand Baptiste a dit, nous revenons tout de suite. Proposer de baisser les impôts, c'était le problème de l'époque. J'ai proposé deux, en masse. Il n'a pas voulu tout à fait au début, mais finalement, nous sommes d'accord. Nous sommes tombés d'accord, on a voté deux prêts en mai. Vous voyez, les amis, j'entends qu'à Franck Baptiste qui a dit, c'est Franck Baptiste qui a parlé là, mais Saint-Anne. Mais Saint-Anne, les amis, vous voyez, à part moi qui a dit, Franck Baptiste même, tu es conscient hein, que c'était trop pour la Cale. La Cale, c'est quatre communes qui paient l'impôt. Saint-Anne, Gosier, Saint-François et Désirade. Donc, les amis, l'ami s'est vite mis Saint-Anne, parce qu'avant, il était militaire, il avait bande et l'UME, etc., pour se mettre à ça.
Mais là, il rentre en Jacques Cornet, enfin bref. Voilà. C'est-à-dire que là, il a demandé à Cornet donc de baisser le taux à 4%, 4 ou 6%, bien comme ça. Et malgré ça, Cornet n'a pas voulu au début. Vous voyez quasi lui. Et finalement, il a accepté de baisser. Mais les Gauzéens sont toujours dans la même merde, les amis. Voilà. Vous comprenez? Parce qu'ils savent très bien, les amis, que ça peut changer à rien. Parce que malgré baisse à des points là en 2023, qui n'est pas TVBC, mais les impôts ont encore augmenté, les amis. Les impôts ont encore beaucoup augmenté. Et quand on a dit encore une fois qu'on était sauf ça, quand l'État avait annoncé que tous les biens allaient voir leur valeur locative être revalorisée de 7%. Comment non? Donc, les amis, cette baisse de 2 points n'aurait jamais suffi à empêcher l'augmentation des impôts. Son bité, voilà, j'ai qu'à les mettre. Donc, finalement, il a accepté de baisser l'impôt de 2 points, mais ça passe bien en mettre, mes amis. Les amis, bon, non, bité, pour finir avec ça. Quand on essaie d'assembler, l'argent contribuable là, puis il fait fête, puis il fait affaire, puis il fait fête de la musique, fête de ceci, fête de cela, les amis. Et fouet l'argent en poche. Voilà. Et en attendant, eh bien, il ne fait aucun projet communautaire. Aïe. Son paquet de chèques à les mettre. Mais pas au rebondissement. Songez bien qu'en disant, jour-là, ça peut arriver. Quand on fait un live, tout tourne, les amis, pour célébrer ça. Tout tourne. Parce que ça n'est pas normal, tout ce qu'on fait là. En tout cas, les amis, mis à part tout bite là. Les impôts des mes amis, en qui commune dans avoir ça hein? En 10 ans, ils ont augmenté pour amour de plus de 1000 euros. Hein? Et ils ont fanfaronné tout partout dans les médias pour mentir à Guadeloupe pour dire que non, ouais, les impôts n'ont pas augmenté. Mais les amis, mais c'est son enfant des gaz, les amis. Non, mais non, son réalité. Non, mais les amis, ça. Et les amis, ils ont vrai gens enragé. C'est parce que, on pas qu'être monde qui a crié moins, les amis. On pas qu'être monde gosier qui a crié moins. Yo ka pran bon gaz à dans ça et mi c'est ka fanfaronné ka blagué il pas augmenté pour à mon gosier il a pas augmenté les impôts de la ville non mais il malin parce que c'est politique c'est mais c'est ka faire les amis politique c'est même genre le dragon en forme quand tu fais ma ça il veut tonne c'est tout hein mais ça quand tu fais ma pas sorti des caire hein c'est même était politique les amis il pas augmenté un pour à mon gosier non à la ville mais il augmenté un pour à la colle les amis si il augmenté un pour à la colle. Mais il a augmenté un poids à mon gosier. Et c'est comme ça qu'il a couillonné les autres. Les autres ont pris à dans ça. Ouvrez-y à autres si moi, les amis. Nous, en 2023, nous disons pas après rien. Nous pas laisser rien passer encore, les amis. Pas garder M. Kajesti qui laisse les réseaux, qui a fait mon compagnie, qui a fait tellement bitin. Papa, non. M. Soro est compétent, les amis. Et c'est un pédophile en plus de ça. Pas rien oublier ça. En tout cas, nous payons louper en 2026. Ouais. Non, mais sincèrement, les amis, regardez encore le problème de l'eau, Gauzier. Il a dit qu'il a fait passer les sénateurs. Il a dit qu'il a laissé passer les sénatoriales hein, avant Yuvegué là. Il laissait passer les sénatoriales avant de dénoncer. Donc, les amis, il a protégé ses amis, Théophile et Losbao. Voilà. Voilà. Il essayait Eli et après, il a fait Yuvegué là. Voilà. Mais pour qui moun connaît quand on prend Kakouyouni, les amis? Qui moun? Donc, conclusion, le bien-être de Gauzier, oui. Qu'a passé après ça fait à Zami Yay. Voilà, c'est la règle. Et on va venir pleurer gros de l'eau après. Entendez, les amis, à base de tout le bite là, partagez vidéo là, ça, parce qu'il faut tout le monde voit ça, voit cette démonstration là qu'on fait là. C'est parce que c'est mais il faut nous démystifier, yo, petit à petit, les amis. Là, pas de s'en fait.